vous-même faire égal, pas égal, entre un parti qui trie les Français, qui les trie, vous êtes Français ou pas, vous êtes vrai Français ou pas, ou raciste, et un parti qui dit l'antisémitisme c'est un détail, et qui vous renvoie à une identité, une religion que vous ne voulez pas, qui vous enferme. Hier j'entendais un responsable de la France Insoumise qui disait « Oh, on a eu des candidats qui sont du quartier populaire, ils vont s'occuper des quartiers populaires, et ils vont rester dans leur quartier. » C'est ça l'intégration? C'est ça la citoyenneté? Regardez leurs photos de famille, elle est où la diversité dont ils se gargarisent? Elle est où l'inclusion? C'est tous des bobos. D'où la question suivante. D'où la question suivante. Qu'est-ce que vous ferez? C'est un club. Rachida Dati, qu'est-ce que vous ferez en cas de second tour? François Hollande, je le connais bien. Oui. Je le connais bien. J'ai honte qu'il fasse campagne avec des antisémites ou des fichés S. Vous pouvez pas le taxer d'antisémitisme. Il fait campagne avec des antisémites. Il fait campagne avec des fichés S. Mais monsieur Gauss, quand j'entends monsieur Jospin qui dit, c'est pas très grave d'avoir un fiché S, il sera noyé dans la masse. Monsieur Gauss, demain vous aurez un journaliste ou un collègue qui sera fiché S. Vous voulez travailler avec lui? Je crois pas. Donc, une personne fichée, c'est un danger, y compris pour la protection des Français. Donc, si on vous suit, si on...